catch 'em all. Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Costa Roger. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur voilà ma première réponse vidéo FAQ. J'espère qu'elle vous plaira, vous avez été nombreux à envoyer, vous avez envoyé 19 commentaires. Voilà quoi, et je vais y répondre ensemble, et souvent qu'il n'y a pas de commentaires, voilà, merde et tout, j'ai un like beaucoup. Alors première, pourras-tu faire une vidéo où tu filmes tes mains en faisant des 90? Je pourrais faire une vidéo où je fais des 90, mais en filmant mes mains, ça je peux pas encore, désolé. Hein. J'ai pas encore le matériel. Désolé, j'ai fait un concept avec mon cousin. Mais quand même, merci beaucoup pour ta réponse, car il c'est des gaming, ça fait plaisir, petit cœur. J'avais fait un cœur, mais j'avais pas trop lu, j'avais pas lu. Désolé, j'ai fait un concept avec mon cousin où si tu perds accès à ton tel gage et il t'a envoyé un centime et il m'a mis sur YouTube, tu peux renvoyer mes un centime. J'ai fait un don au Costa, un centime. Genre, c'était lui. Attends, montre. Je quitte, quoi. Ah ouais, affirmatif. Désolé, j'ai fait un concept avec mon cousin aussi. Tu perds accès à ton tel gage et il t'a envoyé un. J'ai rien compris. En fait, il m'a envoyé un sorti pour que je le renvoie, mais bon. Je le renvoie, hein. On se rapproche tout court. Voilà. Je trouve quand même que c'est un peu con, hein, qu'il m'envoie et qu'il me redemande. Après, je crois que c'est son cousin, un truc du genre. Et il t'a envoyé un centime. T'as 300 ping constant ou pas? En parlant de ça, oui, c'est pour ça que maintenant je fais plus trop de live parce que je commence beaucoup à bug en ce moment. C'est pour ça que je fais pas de live. T'as 300 ping constant, je sais que c'est pour rigoler, voilà quoi. Mais ouais, je commence beaucoup à bug. Parfois, j'ai une coupe parfaite, mais après, je rebug. Voilà quoi. C'est à cause de ça. Je comprends pas pourquoi je bug tout le temps. Mais bon, merci quand même pour le don. Ça faisait plaisir. Hein. Bon, après, je vais te renvoyer. Mais bon, faudra pas toujours faire ça. Hein. Ah oui, si vous voulez me renvoyer. Je suis un gamin. Genre pour faire des concours et tout. Parce que là, je gagne aucun argent. Et je peux plus mettre d'argent sur le jeu. Ça, je m'en fiche. Si je pouvais faire un concours, ça serait mieux. Voilà quoi, c'est. T'as 300 ping constant ou pas. Et c'est pour ça maintenant que je peux plus, genre, faire de live. Je peux plus genre faire de live et tout. C'est Kality Aurel, tu vas rejoindre la team Kality. Ah oui, la team Kality. Ah oui, ça je me rappelle de cette team. Alors je vous explique les potos pour la team Kality. Non, j'ai pas rejoint parce que je pourrais pas changer mon pseudo. Mais aussi, c'était une team qui m'a vraiment fait de la peine parce qu'au bout d'un moment, j'ai rencontré Aurel et Gugui. Kality Aurel et Kality Gugui. De comment dire, deux gens, et quand j'ai dit ça va dans leur team Kality et tout, ils ont dit ouais, toi, moi j'ai ouais, j'ai vous faites beaucoup de stream, et ils disent non, pas trop. Ils me disent ça, moi j'ai dit vous êtes combien dans la team? Ils me disent deux, et moi j'ai dit d'accord, ils ont dû commencer, et eux ils me dégainent. Ça fait 6 mois, un truc du genre, 6 mois, 5 mois, j'ai pas trop compris. Un truc, ça fait beaucoup de mois, moi je jure, ça m'a choqué, alors j'ai voulu les aider. Bah, je les ai fait venir une personne dans la team et depuis, comment ils, je crois que ça les a donné un boost. Et depuis, maintenant, je crois qu'ils sont 10, je crois, un truc comme ça. 10, ouais. Voilà quoi, un petit cœur. Mais sinon, non, je vais pas rejoindre la team Kality vu que je peux pas jouer au pseudo. C'est ça, mais je suis de retour. Ok, ça c'est pas un. Voilà. Question. Tu peux nous montrer tes stats en top 1 de CD? Bah, je vais te l'afficher à l'écran. Voilà, comme vous pouvez constater, j'ai de la pure merde. J'ai fait 0 top 1. En espérant pas oublier d'avoir mis l'image. Hein, au lieu de commencer à produire directement la vidéo comme un port. Comme vous pouvez voir, directement, je rush pas trop. Je rush très rarement. Maintenant, je préfère plus faire de créatif et voilà quoi. Ok, tu comptes te faire quoi pour tes 1K d'abord? Lorsa YouTube. Attends, j'ai oublié de faire le cas. Bah pour mes 1K d'abo, si je pouvais avoir la chance d'acquérir monétisation et pouvoir gagner de l'argent ainsi de faire des concours, j'accepterais beaucoup. Ce qui ferait grave gagner de l'argent, comme ça je pouvais faire des concours et tout, genre.
C'est ce qui me ferait vraiment attirer le plus. Déjà, ça me donnera plus envie de jouer. Mais vous vous abonnez, mais moi, déjà, je fais rien parce que je suis un bâtard. Parce qu'on dirait que je suis moins motivée à faire des vidéos. C'est ça mon problème. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Ok, le petit cœur. Attends, tu pourras faire une île avec tous tes abonnés. Bah oui, j'avais fait déjà une île avec mes abonnés et Endo du 72. Bah, je sais que c'est Endo du 72 sur CD, il y a un très bon level. Je sais déjà que j'avais fait une game avec mes abonnés, j'avais créé un salon, une île créée avec mes abonnés et tout. Et voilà quoi, j'avais joué avec eux, mais après avoir appelé vous en 25 minutes, j'ai arrêté le live. Voilà, j'avais arrêté là en 25 minutes. Pourquoi? Bah vous le savez, hein. Très bien, parce que. Voilà quoi, je buguais beaucoup. C'est quand que tu joues à Fortnite? Je sais pas, fornitude, fournitude. À chaque fois, j'ai fornitude. Merci quand même pour ton commentaire, Enzo. C'est quand que tu joues à Fortnite? Je sais pas parce que j'ai mon PC, j'ai des problèmes, ça bug, Fortnite et tout. Et j'ai pas Fortnite sur PS4, c'est-à-dire que je joue jamais à Fortnite. Voilà. Mais merci pour ta question, merci d'avoir participé aussi, fornitude. WRG Boss Boss. Ah, c'est Boss Boss. Pourquoi jeter S sur Creative Destruction? Ah! En plus, je crois qu'il m'a envoyé deux fois. Pourquoi jeter S sur Creative? Bon, alors je vous mets une image dans l'écran. Toutes les fois, je les pioche. Voilà. Sinon, je trouve que c'est un mec bien, il est fort et tout. Sauf que je l'ai beaucoup pioché. Je l'ai fait des noscopes. Ça, là, on parle plus Boss Boss, hein. Mais voilà quoi, quand même je trouve que c'est une personne qui fait assez bien rigoler quand même, je trouve qu'il est gentil donc. Ok, t'as enlevé la team Army, oui je l'ai enlevé, ça fait depuis la saison 5 que j'ai arrêté d'être avec la team Army. Pourquoi? Bah parce que genre, comment dire, en fait il n'y avait personne qui était dans la team, tout le monde ne pouvait pas changer leur pseudo. Mais c'était pas ça le problème. En fait, je vous explique pour les potos. Le problème, c'est genre, là, je regrette. Je faisais venir que les joueurs les plus forts. D'accord, c'est bien. Mais il fallait que je commençais déjà à faire venir déjà des nuls. Pour attirer après un peu plus forts et tout. Ainsi de suite. Mais non, moi, j'ai tiré directement les grands. Et ça n'attirait pas les grands. Vu quand je l'ai dit, ah ouais, on est que 5. Voilà quoi. Tu vas supprimer l'autre chaîne ou pas? Oui, je pense que je vais supprimer Costa Roche Live vu que maintenant je peux faire des lives sur Costa Roche hein, ou sinon je la garde en cas d'urgence. Voilà quoi. Tu penses à créer ta team? Déjà j'avais créé une, mais depuis j'ai arrêté avec cette team. Voilà, ouais, comme t'as pu avoir entendu en vidéo. Mais là, non, je pense pas créer de team vu que je peux plus changer genre mon pseudo. Vu que je peux plus changer mon pseudo, je pense que je vais pas créer d'autres teams. Si j'en crée une, ça sera sans changer le pseudo. En plus que je crois que j'ai 2000 pièces étoiles. Je peux créer une guide quand je veux. Tu fais gagner des diamants? Non, vu que je peux plus mettre d'argent sur le jeu, je fais gagner aucun diamant. Je suis vraiment, vraiment désolée. J'ai la balle. J'ai la balle, mais merci d'avoir participé. Merci à tous ceux qui participent. Hop. 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 Merci à tous ceux qui participent aux questions. Montre tes touches. Ok, je vais te montrer mes touches à la fin de la vidéo. Ok, c'est des gaming. Je te montre à la fin de la vidéo. Et ajoute-moi. Et ajoute-moi. D'accord, c'est quoi ton pseudo? On va lui envoyer. C'est quoi ton pseudo? Comme ça. Pourquoi je fais toujours B à la fin? J'en ai marre de faire toujours ça. Je sais pas, mon doigt il fait toujours. Ok, montre tes touches. C'est parti, je vais vous montrer. Et en plus de ça, je vais vous montrer mes 90 degrés. Déjà pour commencer, voilà, je vous montre. J'ai 1994 plus que 5 et je peux créer une guide, mais je pensais que je voulais juste essayer. Voilà, regardez, boîte de cadeaux, coffre, acheter ça en 10 fois. Pour voilà, si j'ai une chance d'avoir un DLC skin. Le skin le plus qui m'attire, c'est Floconnet et celui-là. Celui-là, je kiffe grave. Sur un thé de marshmallow, bien sûr. Après, le casque-tic, j'aimerais bien l'avoir, mais j'aime pas trop lui. Casque-tic. Je trouve qu'ils ont bien ajouté beaucoup de trucs, hein. Ici, j'aimerais, je kifferais avoir cette épée. L'épée de samouraï, hein. Voilà. Bon, alors je vais vous montrer. Je vais te montrer mes touches. Hop, personnalisé. Voilà, je te montre mes touches en haut à gauche. Derrière la liste, tu vois, genre, il y a le bouton pour s'accroupir, mais il est caché. Derrière le truc bleu, là, où il y a mon logo, regarde ici. Voilà, derrière, taille transparence.
Bon, ça c'est en grandeur moyennement. J'ai un peu grandi le truc. Ici, le rechargement c'est pareil, j'ai rien changé. Le bouton tir, il est pareil, je crois, j'ai un peu grandi, je pense. Le saut, je l'ai un peu. Je l'ai pas augmenté, ça, je pense. La rampe, je l'ai vraiment augmenté. Le tir, je l'ai laissé. Ça, j'ai tout laissé. Après, j'ai rien changé. En construction, bien sûr, j'ai mis comme ça. Après, le bouton vert, il n'existe pas pour moi, vu que j'utilise la 3D touche. Bientôt, je vais tous les bloquer. Hop là, ça commence. Ah merde, j'ai pas cliqué bien. Voilà. Après, il y a l'edit, ça, on s'en fiche. Le pâtisculat, j'ai mis un tout petit peu plus en haut. Il était en bas là, maintenant, je l'ai mis là. Maintenant. Après, je peux voir que la croix est pareille. Je ne l'ai pas bougé. Et voilà quoi. Toutes mes touches sont tranquilles, comme toujours. Et maintenant, je vais vous montrer mes 90 degrés. Top! Et je tiens aussi à remercier de Warji Tirat. N'hésitez pas à aller go vous abonner à sa chaîne. Le lien de sa chaîne sera en description, les potos. Et tout. Et déjà, pour commencer, je tiens à vous montrer mes FPS. Comment ils ont bien augmenté. Je me mets dans le blocage maintenant. Dans l'eau. Non, dans le vert, voilà. Regardez, 59 FPS. J'arrive pas à aller aux 60. Je comprends pas pourquoi. Je suis toujours bloqué à 59. 59 ou moins. Comment j'ai fait? J'ai mis mes graphismes faibles et ma fréquence d'image en ultra. Merci à toi, Chase, de m'avoir montré. Et maintenant, je vais vous montrer mes 90 degrés. C'est parti. Je sais pas, on dirait que je les ai vraiment perdus, mes 90 degrés. Sincèrement, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec mes 90 degrés. On dirait, après, j'aimerais bien vous filmer, mais en fait, j'utilise deux doigts pour le build. Hein. Je n'utilise pas un. Si j'utilisais qu'un, ça fait comme ça. Bon, sincèrement, il n'y a rien qui change. À part oui, je vais un peu plus long. Sinon, avec deux doigts, ça fait comme ça. Après, j'arrive à apprendre. J'essaie d'apprendre de nouvelles techniques, genre. Ah, ouh, ça s'est cassé. Oh là là. Après, voilà, hein, je t'ai montré. Des 90 euros comme Kiri CD voulait. Voilà. J'espère que la vidéo, alors FAQ. Vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Demain, nouvelle vidéo, les potos, sur la chaîne. Soyez présents. Je crois que demain, je vais faire une belle vidéo YouTube. Je sais pas, on verra. Et je vais faire une vidéo pour que là, je vais vous montrer. Je vais vous envoyer le code de la map pour avoir tous les skins CD. Ça, je pense que ça va vraiment vous plaire. Avoir tous les skins CD. Et je vais aussi vous montrer un glitch qui vous plaira. Je vais vous montrer le glitch. Il se passe quoi avec le glitch que je vais vous montrer là? Je vais vous montrer comment l'utiliser, ce glitch. Je vais vous montrer un glitch, je reviens. Je vais vous montrer juste les faits, je ne vous montre pas comment le faire. Je vous le montrerai lundi ou mardi. Voilà. Heureux les potos, et je vous montre le glitch, il fait quoi? Faut courir très rapidement. Oh, je vous montre que c'est pas du fake. Regardez le temps. Il est égal à la vitesse dont je cours. Après, quand je chute, ça ralentit. Je crois qu'il faut s'accroupir, un truc du genre, après, ou d'un. Faire un bug pour s'accroupir et tout, pour qu'après tu chutes. Non. Bah, regardez la vitesse à laquelle je pars. Je pars à une vitesse incroyable et le temps, il est normal. Regardez, 20, 19, 18, 17. Voilà, le temps est parfait. Il n'y a rien qui change. Le logo, je l'ai retiré. C'est génial. Oh là là. Le logo, il va partout, j'ai. Et après, si vous voudrez le désactiver, il faudra utiliser juste un propulseur à cola. Attendez, je fais ma petite plateforme. Vous voyez que je suis très 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 rapide quand même là. Voilà. Et après, si vous voulez désactiver, c'est très simple. Vous prenez, comment dire, propulseur en main et vous l'utilisez. Et après, vous désactivez et c'est bon, vous courez normalement. Je vous montrerai le glitch dans une vidéo. Le glitch, il y a des gens qui l'utilisent, mais voilà quoi, il est moyennement connu. La technique, la map où il y a tous les skins, celui-là, elle est pas très connue et tout. Et voilà quoi. On se retrouve demain. Demain, je vous montre le code de la map. Déjà, je vais vous montrer comment c'est déjà la map skin. Et après, ou non, je vous la montrerai une prochaine fois. Allez, ciao les potos, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao! Merci à tous d'avoir participé à la vidéo FAQ.